Hello! Bienvenue au Snow, bon retour sur la chaîne. Je dis à vous pour nous une petite recette qui fait la viande. C'est bœuf brocoli. Ok, on va faire la méthode, bon, de toute façon, c'est une recette asiatique de toute façon. On va faire la chinoise. Et on va mettre utiliser sauce soja de qualité d'Ax. Donc là, avec l'ail là, on va utiliser un oyster sauce. Ok? Et mes plats sont très bons avec du blanc. En général, soit dans le restaurant mettez carottes chinois, c'est avec du blanc le plus souvent et accompagné. Donc vous allez adorer, vous allez aimer, croyez-moi. Et vous connaissez, c'est pas aimer plats chinois, mais croyez-moi, ça c'est bon. Il va gagner un sucre là-dedans. Bon, oui. Le bête sucré, il va mettre sucré, mais nous on va faire sans sucre. Vous allez adorer. Puis de toute façon, il est fait avec des ingrédients qu'on a joint tout côté, sauce soja, on a joint, sauce jute, on a joint dans la maquette sans problème. Et beaucoup d'y a, c'est pas parlé. Ok? Salutations et remerciements à nos chers membres. Merci de votre support. C'est non mon nom qui a défini là-haut. Si ça intéresse vous, même pour une même chaîne, non, cliquez sur le bouton join qui est en bas vidéo ça. Ou bien en bas n'importe quelle vidéo sur chaîne là. Et puis on choisit un plan de support qui gagne. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez toujours voir le support là par PayPal, dans gaspardorilien@gmail.com. Si c'est en Haïtouillé, vous pouvez toujours venir me envoyer une contribution pour là par mon cash dans 3672-2558. Je vais vous présenter tout de suite là, tout ingrédient la besoin pour nous réaliser. Mais ensemble, ingrédients, on a besoin pour nous réaliser bœuf brocoli. On a besoin de viande bœuf. Là, c'est filet de bœuf, nous rien. Ok, qu'on va le découper. Là, on a besoin de brocoli. On a besoin de jus en citron. On a besoin d'huile de friture. Là, on a 2 cuillères sauce soja clair, ou bien light, soja sauce. Là, on a à peu près 1 cuillère et demi d'oc. Un soja sauce, on a besoin sauce d'huître, mais oyster sauce, on a besoin l'huile de sésame, là nous avons 2 cuillères maïzena ou bien fécule de maïs, bon, oui, le maïzena, mais c'est fécule de maïs, vous pouvez utiliser n'importe quoi, on a besoin de l'ail, là nous avons plusieurs têtes l'ail là, on a besoin de morceaux gingembre, là c'est sésame, nous avons graines de sésame blanc. Là, nous avons 2 cuillères poivre en poudre. Et puis, on a besoin d'un couteau qui est bien filé. C'est pour ça qu'on va utiliser les outils pour nous filer le couteau. Hein. J'en ai dit dans les plats, il sert avec du riz blanc. Donc, nous avons du riz blanc qui paraît déjà. Donc, nous allons mettre tout ensemble. Voilà, c'est ça qu'on a besoin pour nous réaliser bœuf brocoli. Je vais présenter nous on aime fait une présentation ingrédients c'est 11 on a besoin et puis on a besoin tout garlic powder pour l'ail avec gingembre. On a commencé par gingembre là, on a découpé gingembre nous yo. OK. Alors, c'est une carte où j'ai fait la part, mais comme je vois le même côté, même moment, donc je mélange ni l'ail ni gingembre, je mets ensemble. Mais on n'est pas obligé de faire comme ça. Mais c'est pour de toute façon plus pratique pour garder du temps que je mets ensemble. Ok? Allons-y. Ok. Voilà ce que ça donne comme résultat. Nous avons un petit appareil, un outil efficace.
lien dans la description. Si vous avez besoin, vous avez besoin de cliquer sur lui et puis commander, il y a privé de la caille. Ok, maintenant, on va utiliser d'autres outils encore pour un travail non plus efficace encore. On va le filer et couteau nous parce que le travail nous va le faire, il y a besoin d'une lame qui est très affilée. Ok, on va le suivre. Viande noire, filet noir, on va le couper en petits morceaux. Gosser en boucher, on boucher viande. Ouais, j'ai un couteau. Hein, courir sous viande là, c'est parce que la mieux très filée. Donc si nous avons un couteau là, quand nous avons découragé un couteau là, achetez tout si ça vous file. Pour travailler nous, c'est plus facile. Ok, bien ça, on est tiré. Voilà. Ok. Maintenant, ça ne m'a pas fait. Je vais assaisonner bien moi. Mettez jus citron. On va le casser les genoux, on va le battre. Ok, mettez-le dans le jeu. Après, mettez-le dans la viande. On va le faire mélanger. Ok, sauce soja clair là. Nous n'avons pas de sel parce que on va utiliser trois éléments là qui sont sel. Sauce soja clair là, il y a sel. Duck là, il y a sel tout. Sauce soja. Sauce d'huître là, il même c'est pas parlé. Donc, nous n'avons pas besoin de sel. Ensuite, mettez poivre là, demi tiki et poivre de gagner. Hein? Et bien, mélangez. Ok, ensuite, fécule de maïa. Ok, là, ça, nous allons quitter le tremper là pour au moins 30 minutes. Ok, nous allons quitter la température ambiante ou bien si nous voulons mettre dans le frigidaire. Ok, ok, maintenant, brocoli nous yo, nous allons couper. Ok, à chaque branche à haut, nous allons faire deux comme ça, deux bords comme ça. Beaucoup de monde et en pile.
On va jeter feuille. Ok, bon, nous mettons de l'eau chaude pour nous blanchir beaucoup de l'eau pendant 2 minutes. Donc, nous mettons de l'eau à bouillir pour nous mettre beaucoup de l'eau. Ok, nous mettons de l'eau pour nous blanchir beaucoup de l'eau. Oui, je vais juste mettre le brocoli à la dalle pour exactement 2 minutes. Ok? Après 2 minutes là, je vais retirer et puis mettre le dans le frais. 2 minutes de terre. Ok? Et bien, nous éteignons du feu et puis je vais retirer le brocoli. Ok? Et puis, tout de suite, je vais mettre de l'eau. Fait ça qui est glace ou camper cuisson. Donc vous faites la doigt qui a pédil qui est verdure là, vous mettez vert. Ok. C'est de toute façon beaucoup d'avoir le retour dans un petit feu encore. Donc faut pas trop cuire, sinon la crème va être laide. On réserve. On va utiliser un pan non-stick, c'est pas collé, et puis on met un petit huile là-dedans. On va ajouter l'ail avec le verre de noix. Pour ne pas quitter, si on quitte le drop là, si on ne va pas mettre le prochain élément noir, il risque de bouler. Donc tout de suite, on va mettre la viande noire. C'est bon. Ouais. Là, la gingembre, elle est au fruit. Je vais libérer. Bon, odeur. Ok, maintenant je lave avec l'ail. Et puis gingembre là. Et puis la batte pour chaque morceau vient toucher fond poil là. Ça est le bien tout bel et de la fiction. Ok, à feu moyen. Ok, on a quitté pendant la 2 à 3 minutes. Je vais t'en abrir. Ok, on va virer au bout de la.
côté de vinaigre qui pourrait soupe dans le fond. Hein. En français, le sucre ça est différent. Ouais. Sucre ça au palais là, c'est SUC. Et en créole, ça veut dire. Bah ouais. Gratin épice. Tout oui, sucre. Ouais, pas du sucre, non. Non. Tout épice à côté, il y en a fond. Chaudé. Loin. Ok. Maintenant, 2 minutes encore là. Après ça, nous allons ajouter l'autre élément. Ok, on songe liquide marinade qui était trempé viande là. Et bien, on a vu de la net. Mélanger. Et puis tout de suite, mettez nos brocolis. Mélangez-vous. Le brocoli a qu'à bénéficier de épices. C'est très bien viande là parce que beaucoup d'y a d'été blanchi là et sans celle blanchi. C'est un mélange ça. La plan, c'est celle-là. Mettez équivalent en qui est l'huile de sésame, soulier, comme une ça a piqué. Mettez petit quantité de mutation. Ensuite, maintenant, graines de sésame, le semaine soulier. On y a là, on va juste chercher le coton du riz blanc là. Et puis on servit ça avec du riz blanc. Comme si vous voulez, vous allez adorer. Bon, vous te avez fait par le sucre, il va venir goûter et moi pas le goûter pourquoi moi. Bon. Bœuf beaucoup lié avec du riz blanc blanc là. Votre piquette est fine. Vous n'avez pas mangé déjà. Votre est fine plein, vous comprenez? Fine vidée. Bon. En tout cas, voyez, on vous défend petit goûter là, c'était très bon. Croyez-moi, vous allez adorer. Ok? Donc, faire et puis, voyez un commentaire. Bon, vous comprenez? Moi qui fais YouTube, voyez photo moi sur Instagram. Instagram là, c'est Gaston Dorélien Cuisine. Ok, dans le cas communiqué, vous avez une photo pour moi, vous avez dit vous avez une note pour moi, vous répondez, etc. Donc, Napton. Ok, like vidéo, partagez et puis invitez vos amis à abonner à la chaîne. C'est une autre façon, à part de même pêcher blanc, pour supporter la chaîne. Je vais goûter là, je vais manger. Les goûts, oui. Regardez-moi. Nous mettons quoi? Même si nous n'avons pas les goûts. Mm-hmm.
bientôt.